Hello there, welcome to this new video, and in this video, dans cette vidéo, je vais te dire en fait comment est-ce qu'on dit l'heure en anglais, alors plutôt la manière américaine, parce que tu savais pas qu'il y avait une manière plutôt américaine de dire, une manière britannique de dire, reste bien parce que tu vas encore apprendre des nouvelles choses, et avant tu vas pouvoir t'abonner, cliquer sur le lien, et tu vas pouvoir repartir avec ton guide complet gratuit pour parler anglais, tu cliques sur le premier lien dans la description, tu mets ton mail et je t'envoie tout ça gratuitement. Et mets un commentaire, un petit pouce bleu aussi pour encourager cette chaîne à prendre du volume et partager un maximum autour de toi aux gens qui doivent apprendre l'anglais. I'm Derek and I'm your online English teacher and I'm Scottish. Je suis Derek, je suis ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Et alors voilà, revenons sur l'heure en anglais. Alors il faut savoir que l'heure est quelque chose que tu vois très vite dans ta scolarité, mais qui pose problème jusque très tard dans ta vie parce que je coach des gens en un à un, je vois des gens qui ont un niveau bien avancé en anglais mais se trompent entre guillemets bêtement, alors ils ne sont pas bêtes les gens, ils se trompent bêtement sur en fait une heure, comme 3h de l'après-midi, 8h du matin, et je me dis c'est dommage et je voulais faire un rappel bref mais rapide, profond et bien plein de contenu de valeur pour que tu puisses enfin ne plus te tromper. Il y a deux façons de dire l'heure, donc je fais une vidéo là sur la façon américaine qui est la façon on va dire la plus simple, et je vais faire une vidéo un peu plus tard sur la façon britannique, qui est un peu plus compliqué d'ailleurs, c'est à cause souvent de cette façon britannique, si jamais on mélange un peu, qu'on se perd, on s'emmène les pédales et après c'est perdu. Alors, premièrement, dire l'anglais de la manière américaine. Première chose qu'il faut que tu réalises, c'est que tu comptes jusque 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et après tu repars jusque 12 parce que tu ne feras jamais en 24. Jamais. Tu ne vas pas faire 15 o'clock. Pour dire 15h de l'après-midi, tu ne diras pas, tu vas dire PM, donc AM c'est le matin, PM c'est l'après-midi. Donc, tu vas jusque 12 et au lieu de faire 13h comme on dirait pour voir le journal de 13h ou 14h ou 15h, tu repars à 1 pour aller dans 1h de l'après-midi. Et ça c'est une première chose importante parce que beaucoup me disent I finish at 17. Non, 17, donc 17h, c'est-à-dire 5h, I finish at 5. PM. Donc tu n'iras pas jusqu'à 24, tu feras 12 et 12. Alors AM, c'est... alors, on va faire un truc. AM, c'est in the morning. Et PM, c'est in the afternoon. Ok, in the morning and in the afternoon. Donc, c'est ça la première chose qu'il va falloir cerner, c'est que 12 pour être sûr de ne pas tromper. Alors, petit disclaimer, petite parenthèse, il y a des fois jusque 24, mais c'est dans des situations très particulières dans la vie, toujours, tu n'auras pas besoin, reste de 0 à 12 et de 0 à 12. Petite chose, quand tu arrives à 12, forcément, vu que tu as 2-12, et bah, si jamais tu es au midi, c'est noon, c'est pour ça qu'on dit afternoon, après-midi. Noon pour le midi, et si jamais tu es à 12 du soir, donc le minuit, midnight, midnight, night la nuit, mid la moitié de la nuit, minuit. Ok, alors ensuite souvent beaucoup font l'erreur de mettre des hours, je rappelle que ce H là il ne se prononce pas, c'est un H qui n'est pas aspiré, beaucoup me mettent 3 hours, alors que 3 hours c'est une durée et pas une heure, donc quand tu dis l'heure, tu n'utilises pas hour, tu utilises o'clock. Pas toujours, parce qu'on va voir les exemples, mais c'est autre. Et ça veut dire on the clock. O'clock, ça veut dire on the clock. Ok, donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut savoir. Donc grosso modo, tu dois savoir compter jusque 12 là, de 16 heures, et tes minutes, bah, compter jusqu'à 59 là. Parce qu'en américain, qui est beaucoup plus pragmatique, je dirais, beaucoup moins technique, comment tu dis l'heure? Bah, pour t'en sortir, tu vas dire les heures et les minutes juste après. Par exemple, là, il est 8h05, it's 8:05. Une chose, tu commences toujours ta phrase par it's, quelle que soit la façon de faire. It's 8:05. It's 8:05. Terminé. Tu vois bien que là, je ne mets pas o'clock. O'clock, tu vas juste le mettre quand c'est pile. It's 1 o'clock. It's 11 o'clock. It's 11 o'clock. Et tu vas mettre in the morning. It's 11 o'clock in the afternoon. Si tu ne veux pas mettre o'clock, tu me dis it's 11 p.m. It's 11 a.m. Tu ne pourras pas mettre
p.m. et o'clock après. It's 11 p.m. o'clock. Non, c'est pas possible. It's 11 o'clock p.m. Attends, je réfléchis. It's 11 o'clock a.m. Franchement, t'es pas obligé de mettre o'clock là-dessus. En fait, il faut juste que tu réalises que tu mettes o'clock seul. It's 11 o'clock or it's 11 p.m. s'il faut préciser. Si jamais tu utilises o'clock, it's 11 o'clock, tu n'as pas besoin de préciser parce que c'est, le contexte est suffisamment clair pour savoir si c'est le matin ou l'après-midi. Enfin bon, o'clock, si tu veux l'utiliser, c'est que quand tu es sur pile. Ok? Que quand tu es sur pile. Donc voilà, 8:05, 4:15. It's 4:15. Donc tu vois, il faut bien que tu revois tes chiffres, peut-être jusqu'à 59 pour le 13, 14, 15, 16, ça peut être compliqué. It's 4:15. It's 6:30. It's 6:30. 6h30. It's 6:30. It's 7:50. It's 7:50. Tu peux t'arrêter vraiment là. It's 7:50. It's 11 o'clock. Donc voilà, vraiment, la façon américaine est quand même la façon plus, on va dire, la plus abordable, parce qu'en général, tu ne te casses pas forcément la tête avec les past, to, quarter. C'est quand même une façon qui est plus répandue aux États-Unis. Je dis bien, c'est du cliché, mais il faut quand même avoir un petit cliché. Après, il faut le dépasser pour réaliser que les deux s'utilisent à la fois au Royaume-Uni et à la fois aux États-Unis. Mais voilà, donc n'oublie pas tout ça. Tu peux prendre des notes parce que ça va t'aider à donner l'heure et à ne pas te prendre la tête. 8:05. 4:20 p.m., 4:20 a.m., 4:20 in the morning, 4:20 in the afternoon. Il ne faut pas que le clock se met juste quand tu es sur pile. Et jamais hour, et jamais de 16 ou 17. Voilà, j'espère que ça t'aide beaucoup. Je te souhaite une très bonne journée. Have a lovely day. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, un petit partage. Et surtout, tu t'abonnes. Subscribe. I'll speak to you soon. Bye bye.